Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Manin et je suis à Lyon, comme le panorama de Fourvière peut vous le montrer. Je ne suis pas le premier à inaugurer le concept de la vidéo à contre-jour, puisque ceux qui ont suivi les aventures de Pierre savent qu'il en a fait un style, qu'il a même peut-être inventé le style. Maintenant, j'aimerais vous parler de Pierre et le soutenir dans sa démarche. Simplement, c'est difficile parce que je ne sais pas par quel biais commencer. Et surtout, quelle attitude adopter et quels arguments choisir pour vous convaincre. D'abord, il y aurait les arguments intellectuels. J'espère que vous avez tous pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo, même si parfois beaucoup ont dit que c'était long. Ce sont ceux qui d'ailleurs ne l'ont pas écouté. Il y a plein d'arguments. C'est d'une richesse incroyable. Et Pierre ouvre beaucoup plus de portes qu'il n'apporte de réponses toutes faites. C'est joli, ça fait un effet d'ombre dans le musée. L'autre argument serait l'argument affectif. Je vais vous dire que je connais Pierre depuis 200 ans, qu'il m'a été présenté par ses parents alors qu'il était tout petit, et que cet élément-là me permet de savoir et de dire que dans sa démarche, il y a quelque chose de sain, de profond, et une vérité, je veux dire, tous la vérité. Pour essayer d'argumenter quand même, parce que c'est le propos de ma vidéo, sans que vous vous endormiez, je vais partir de trois anecdotes ou trois petites histoires qui sont les trois manières qu'on peut avoir de passer à côté de la réalité. Parce que c'est ce que je voudrais que vous ne fassiez pas avec Pierre. Donc je vous livre trois impasses en espérant qu'au milieu de tout ça, il y a une quatrième voie qui vous permet d'y aller. Donc ces trois impasses, ces trois trucs sont racontés à travers trois anecdotes, trois petites histoires qui se passent dans des bars. Oui, c'est un endroit où on va tous, plus ou moins, soyons, on est adepte ou pas. La première est une histoire, c'est l'histoire d'un homme qui rentre dans un bar et demande un verre de vin rouge. Le barman, tout à fait gentil, lui apporte son verre de vin rouge, et il hésite, il dit non, excusez-moi, c'était pas le verre de vin rouge que je voulais, c'était un verre de vin blanc. Donc le barman lui apporte un verre de vin blanc, l'homme boit son verre de vin blanc, et s'en va. Le barman le rattrape et lui dit, mais vous ne payez pas votre verre? Et il dit, mais le verre de vin rouge, je ne peux pas le payer, je l'ai échangé contre un verre de vin blanc. Quant au verre de vin blanc, je ne peux pas le payer puisque je ne l'ai pas bu. Voilà un beau raisonnement qui permet de passer à côté de la réalité. Un second est offert, vous me pardonnerez un petit peu les écarts par rapport à la réalité, peut-être au roman, par Marcel Pagnol dans la trilogie Marius Fanny César, où César est en train de préparer un cocktail qui contient je ne sais plus quel ingrédient, de mémoire c'est un Gambetta grenadine, avec un tiers, deux tiers, trois tiers et quatre tiers. Son fils Marius lui dit, mais attends, c'est pas possible de mettre quatre tiers dans un verre. Et le père lui répond, et alors, qu'est-ce que tu me dis? C'est un argument scientifique. Comment tu expliques que j'y arrive, moi? Si ce n'était pas possible, j'y arriverais pas. Étonnant, non? Donc voilà, encore une fois, les gens qui ont une conception de la science et des choses, qui disent, ben non, quelqu'un comme Pierre nous présente quelque chose qui est hors des sentiers battus, on a appris les choses, ça marche, on fait comme ça, on peut... Alors, c'est la fameuse histoire, on ne peut pas être et avoir été. Si, on peut très bien être con et toujours l'avoir été. Une autre histoire. La troisième, le dernier éclairage... C'est un homme qui rentre dans un bar et demande trois pastis. Donc on lui sert ses trois pastis, ça devient un habitué. Et un jour on lui dit, mais pourquoi trois? Il répond, parce que j'ai un frère en Australie, j'ai un frère aux États-Unis et je prends l'apéro à la santé des trois. Merveilleux, il devient un client du bar à qui l'on offre parfois même un pastis supplémentaire. Et un jour il vient et demande deux pastis. Le barman le regarde et arrive près de lui un petit peu désolé en disant, pour votre frère, je suis désolé. Et le gars répond, non, mon frère va bien, c'est moi, j'ai arrêté de boire. Voilà trois petites anecdotes qui vous disent, qui seront pour moi un moyen de dire, ne passez pas à côté de Pierre, prenez le temps. J'avais une formule, j'étais très content de moi, ça m'arrive, quand Pierre a fait son tour de France à pied, où je disais, certains ont voyagé loin, Pierre a voyagé profond. Encore une fois, je crois qu'avec cette nouvelle démarche et tout ce que regroupe l'économie basée sur les ressources, Pierre nous ouvre une fenêtre, comme moi, et même s'il est à contre-jour et que vous ne le voyez pas, prenez le temps de l'écouter et de regarder derrière, parce qu'il se passe des choses. Pierre,
Je suis avec toi et j'espère qu'on sera tous avec toi.